Hey yo les mecs, c'est Petit Bandit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que là, il y a du vent. Vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir de rouler, mais matez-moi ce temps les gars. Il fait tellement beau, il fait tellement chaud. J'ai ressorti les gants d'été, le pantalon dont je vous parlerai après, et les baskets, enfin là je suis en mode full été. Sous le blouson, je suis juste en t-shirt. J'ai gardé la doublure du blouson quand même, mais... putain les gars, je viens de prendre une route. Je me suis régalé de ce temps-là, les pneus ils accrochent sa mère. C'est juste un pur plaisir de rouler là. Là on commence à arriver de nouveau dans des conditions qui permettent d'être bien en confiance sur la moto. Et ça, ça fait plaisir. J'ai merdé ce virage, sans commentaire. Je suis arrivé comme un porc dedans. Et j'étais obligé de serrer la corde parce que je suis rentré intérieur. Mais bon. Sinon, pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment, enfin ces derniers temps? On me l'a demandé plusieurs fois pendant les lives chez Lord Puma. Il y en a plusieurs, bah les gars, vous, je pense à Genesan notamment, qui m'ont demandé quand est-ce que revenaient les vidéos. Hop, on va ouvrir un peu la visière. Qui m'ont demandé quand est-ce que revenaient les vidéos, et bah, cette semaine là, au moment où je tourne, je suis en vacances. Donc du coup, bah, vous voyez, avec le temps, j'en profite, je tourne une petite pour vous donner des infos. Alors, écoutez, pourquoi il n'y a plus de vidéos? Parce que j'avais pas le temps tout simplement avec le taf. J'avais beaucoup de taf, et en fait, quand j'avais du temps libre, et bah, j'avais juste la flemme en fait, tout simplement. J'avais grave la flemme. Que j'étais fatigué, et donc du coup, bah, quand on est fatigué, on n'a pas forcément envie de prendre la moto, même si c'est un plaisir, mais on n'a pas forcément envie de prendre la moto, la caméra, j'ai roté, prendre la caméra, la moto, tout ça. Mais bon, là c'est les vacances pour moi, il fait beau, autant dire que là j'avais grave envie là. Hop, on peut voir la visière. Et honnêtement, putain, ce que ça fait du bien les mecs. Ça fait 2 semaines peut-être. Ouais, quelque chose comme ça, 3 semaines, 1 mois peut-être que j'avais pas roulé. Et waouh. Surtout là en plus, reconduire, repiloter, reconduire, choisissez le mot qui vous convient. Reconduire en mode été, c'est-à-dire soleil. Il y a un peu de vent mais il fait chaud. Soleil, les gants d'été. Ah, il m'avait manqué mes petits gants. Mes petits gants en cuir. Putain, il m'avait manqué. Alors par contre, je vous préviens, je sais pas du tout où je suis. J'ai pris 2 routes, tac tac tac, et on est dans la campagne. Waouh, ça pue la mort. Ah ouais, ça pue même violent. Mais du coup voilà, je vous emmène avec moi, on va voir, on va se prendre, vous voyez, des petites courbes comme ça. Après on va allumer, on va voir pour démarrer l'application Diablo. Voir un peu mes résultats en courbe. Alors où est-ce qu'on est là? D'accord, je vois où on est. Ouah, ça c'était du freinage ma gueule. Gros freinage ça, mais... Ok, je vois très bien où on est. Ok. Ne faites pas ça chez vous. Alors, où est-ce qu'on va aller? On peut pousser jusqu'à Locminé, c'est pas mal. On va pousser à Locminé. Et puis on va aller discuter un petit peu. Hop là, je vais vous montrer mon équipement pour cet été. Parce que j'ai toujours mon gros pantalon Furigan que je prends aussi l'été, mais... mais bon, roulez avec ça les gars, je vous assure que vous êtes trop bien. Et vous êtes protégés, mais... je vais vous expliquer tout ça quand on sera arrêté.
Et ben voilà les mecs, on est arrivé à Locminé. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a à voir ici, et j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Je sais pas du tout ce qu'il y a à voir ici, mais faut juste qu'on trouve un spot pour se poser, pour qu'on discute deux minutes quoi. Je ne connais pas cette ville, je ne sais pas où nous... Enfin si, je sais où on est à Locminé, mais... Vu que je suis arrivé, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, au mois de février, donc là je tourne ça, on est le 17 avril, je crois. Oui, 17 avril. Voilà, je connais pas tout encore, donc je suis un peu paumé parfois. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Et si c'est quoi, c'est une priorité à droite, ça, merde. C'est ça, c'est une priorité à droite. Donc là, je sais pas du tout où aller me poser, ou quoi faire, ou qui, ou quoi, ou qu'est-ce. Et donc, du coup, on va se balader, on va essayer de découvrir. J'ai aucune idée de où aller me poser, parce que je voudrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais vous présenter mon équipement été, on va dire. Et donc, alors, putain, mais je sais pas où aller, gros. Putain, c'est une grande ville ici. What the fuck, man? Lycéenne de Bretagne. Putain, c'est fat. C'est fat et fatou. Alors, je ne sais pas où aller. Toi, t'as pris. Toi, t'es intelligent, toi. Voilà, ça, c'est les commerciaux, ils en ont rien à branler. Non, parce que je peux pas me poser, par exemple, là sur le trottoir devant tout le monde. J'ai passé pour un con. Même si au final, je m'en fous un peu, mais. J'ai pas envie de passer pour un con malgré tout. Je ne sais pas où je vais. Je sais même pas si cette vidéo va sortir. Quelqu'un sait cadeau si tu passes par là. Putain, j'ai lu résidence le Graal. Non, c'est le Goniel, ça n'a rien à voir. Ah oui, sinon, eh bah vous savez quoi, je suis toujours pas débridé, ouais. Je suis toujours en A2 et j'ai toujours le bandit bridé en 34. Là ça commence à faire long, vraiment long. Je vous jure, ça commence à faire un peu long. Là ouais, ça commence à me tirer Je sens que voilà, la moto là est... Non, je sens que la moto est... elle peut m'offrir plus, tu vois ce que je veux dire. Elle peut m'offrir plus et moi je peux pas. Je peux pas m'offrir plus pour l'instant. Financièrement, c'est pas possible. Et donc. C'est très très frustrant de. Parce que là, je sens que voilà, là, janvier 2016, avril 2018. Là, je l'ai en main. Là.
et on sort de Lockmead et je ne comprends rien. Je l'ai bien en main et ouais. Et là, j'aurais besoin d'un renouveau là. En plus, Puma qui passe son temps à me dire « Mais gros, tu garderas pas ton bandit une fois que t'auras le permis A. Aucun permis A2, débris de sa moto. » Bah ouais, mais moi, j'ai que ça comme solution. Voilà, à un moment donné. Mais ouais, ça commence à me manquer. À manquer de chevaux, là. Bon, je sais pas où je vais. Et à un moment, il va falloir que je rentre chez moi. Voilà. Belle vue. Le nom m'inspire. Alors un point haut, ça serait pas mal. Oh. Genre ici, tu vois, ça commence à monter. Joli quartier en tout cas, jolie maison. Et je serais prêt à parier que l'impasse, elle se situe là où il y avait le château d'eau. Parce que il est où le château d'eau? Il est derrière. Ah, peut-être pas en fait. Ah. Oh. Voilà, ça s'arrête tout de suite, Jean. Est-ce qu'on se chauffe ou pas? Calme-toi, Jean-Louis. Moi, je dis. Ça part en off-road avec le bandit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On fait pas du trail en 600 bandits. Alors. Je sais pas où je suis. Je suis perdu. Ouais. Alors là les gars, et ben voilà, on est posé. Regardez-moi ça. En plus, regardez, il y a pile une caillasse pour accueillir ma béquille. Et ben alors, on est pas bien là. Bon, ben voilà. Oh, ça mérite une photo, un truc comme ça. Viens là ma petite, viens là. Le petit téléphone. Allez me rejoindre d'ailleurs. Hey, on va en profiter. Voilà. Allez me rejoindre sur mon compte Instagram. Il va apparaître quelque part. Allez me rejoindre sur Instagram parce que j'ai découvert ce truc il n'y a pas longtemps, Instagram. Ah putain, il y a des fils qui dépassent. Et franchement, j'aime beaucoup ce réseau social. J'aime beaucoup prendre des petites photos, des trucs comme ça. Et par contre, je vais vite cuire. Hein. Et j'aime vraiment beaucoup ce réseau social. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Le bandit dans les champs. Franchement, c'est stylé. C'est méga stylé. On va faire un petit selfie. Et ben alors. Ça ira sur Instagram aussi, ça. Et ben alors, on n'est pas dans les champs, nous. Regardez. Attends, faut qu'on prenne un bon point de vue ensemble. Que je vous présente mon équipement pour l'été quand même, parce que c'était le but de venir ici, de trouver un coin posé. Alors, j'ai chaud. J'ai très très chaud les gars. Bon, alors première chose, le pantalon. C'est un pantalon de marque Course. C'est un pantalon en Kevlar qui m'a été gentiment offert à Noël par ma maman ou ma soeur, je sais plus. Enfin bref, c'est un pantalon en Kevlar. Donc c'est un pantalon de moto en Kevlar renforcé pour tout ce qui est chute, abrasion, etc. Et en plus, vous voyez là, il y a des renforts. Et en fait, j'ai mis, là je sais pas si on va bien voir, et là j'ai mis les renforts en fait de mon pantalon d'hiver, parce qu'il y a des emplacements dans ce pantalon, pour mettre des renforts. Donc j'ai mis les renforts de mon pantalon d'hiver. Ensuite, tout ça pour finir le style un petit peu urbain, tu vois, parce que petit jean basket, ça passe crème. Tu peux aller boire un café comme ça dans cette tenue. J'ai très chaud. Ensuite, à Noël toujours, m'ont été offerts voilà, des petites bearings plutôt sympathiques, waterproof, parce que ça peut toujours servir d'être résistant à l'eau. Donc là, vous avez des renforts pour le sélecteur de vitesse. Attends, oui, de ce côté-là, sélecteur de vitesse. Elles sont pas renforts malléoles, mais déjà au bout, elles sont coquées. Ce qui fait que je peux mettre des coups de savate, t'as vu. Et enfin, le nouveau blouson que j'ai acheté pour cet hiver. Là je commence à crever de chaud, d'ailleurs. Mais nouveau blouson. Donc, vous allez peut-être pouvoir voir. Je sais pas si on voit bien là-dedans. Allez, on est bien. Non, mais voilà, je sais pas si vous avez arrivé à voir, en fait, dans le reflet du cache de boîte à air. Mais voilà ce que ça donne. Blouson, pantalon, chaussures. Mes fidèles. Mes vrais gants d'été que j'aime de tout mon cœur, hein. Ils commencent à être poncés d'ailleurs. Hein. Mais voilà, ils commencent à être fatigués aussi. Il faudra aller changer un de ces quatre. Mais bon, ils tiennent le coup, les bébés.
Et puis voilà. Écoutez, je pense que c'est sur ici qu'on va se laisser. Oh, c'est dégueulasse. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous reparler. Ce cadre, mon Dieu, mais ce cadre. Il y a des photos que j'ai prises tout à l'heure qui vont finir sur Instagram. Et sur Instagram, il y en aura peut-être d'autres plus tard. Mais et putain, ça fait du bien. Voilà, j'ai chaud, donc on va couper là. Je vais vous dire, roulez prudemment, roulez équipé. Vous voyez là, il fait chaud, je sais pas combien il fait, il doit faire 20, 21, j'en sais rien. Il fait beau. Et vous pouvez rouler, alors, prenez avec des guillemets, vous pouvez rouler avec style, c'est-à-dire un mode un peu urbain, pas voilà. Et en sécurité, donc. Faites attention à vous. Avec les beaux jours, tout ça, faites très attention à vous les gars, parce que là ça va commencer à rouler, on va se refaire plaisir, tout ça. Mais négligez pas la sécurité, roulez équipé, faites très attention à vous. Et moi je vous dis à bientôt les mecs, avec ce beau paysage. Et pas bien là? Allez, peace les mecs, ciao.